Je crois que c'est l'épisode 9, il me semble. Et du coup, je regarde un peu s'il n'y en a pas des petites choses à récupérer. Tiens, regarde. Hop! On est en train de construire le canon, là. Qui avance plutôt pas mal, moi, j'ai envie de dire. Et let's go. Oula. Alors, le bruit ressemblait quand même beaucoup à Mario. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Le bruit ressemblait quand même beaucoup à Mario. Genre, beaucoup. C'était très bizarre. C'était très étrange. Allez. Je l'ai vu, Amy. Je l'ai vu, ton message. Là, c'est ton opinion. Tu as le droit. Tu as le droit. Attends, mais je suis déjà allé par là en plus tout à l'heure. Ça veut dire que j'y retourne. Waouh. Je traverse. Non ! Je traverse la map à une vitesse incroyable. Je kiffe. Emmener notre ami et trouver d'autres pièces. Avec plaisir. Miles Prower, tu as toujours connu Sonic. Ouais, et alors ? Ton emprisonnement dans le cyberespace. La défaite des ancêtres des titans. Tu approuves comment Sonic gère la situation ? Évidemment. Je sais qu'il n'est pas parfait. Mais Sonic s'est sorti de gros pétrins à maintes reprises. Il nous sauvera, je le sais. Tu veux dire que tu as foi en lui ? Rien à voir avec la foi. J'ai l'expérience de ma vie entière pour appuyer mes observations. Ta loyauté se base sur des données empiriques. Je le concède. Les sentiments qu'il inspire au fond de toi et des autres. C'est ça, être en vie? Et pourtant, cet amour et cette loyauté seront vains. La fin est inéluctable. Qu'est-ce que tu veux dire? Il vaut peut-être mieux que tu ne saches rien. Ok. En fait, j'ai suffisamment... En fait, j'ai tellement avancé dans l'épisode précédent que j'ai suffisamment de clés pour aller le récupérer et le voir directement. Merde. Ouais, alors je me suis fait avoir de la même façon tout à l'heure. Oh, ça rend... J'adore, je kiffe quand ça passe comme ça. Voilà, hop là. On a très bien avancé. Objectif final. Ça dépend. Parfois c'est un panneau tournant ou alors une grosse ring. Pas ça. Je veux dire, que veux-tu accomplir? Rassembler les Chaos Emeralds et sauver mes amis. Et tu crois que c'est le bon choix? C'est un peu toujours la même rengaine. La voix qui te commande. Et si elle te menait à la catastrophe? Si elle cherche les ennuis, je l'arrêterai aussi. Tout paraît si simple à tes yeux. Mais ton arrogance causera ta perte. Écoute, soit t'arrêtes avec les énigmes pour me dire ce qui se passe, soit tu dégarpilles.
ça ne servirait à rien. Beau travail. Va le rapporter à Tails. Moi, je continue. J'ai trouvé un scénario viable pour te sortir d'ici. Il était temps. Au rapport. J'ai passé en revue toute l'histoire de ta campagne. Et j'ai trouvé que le plan d'action le plus optimal est... de s'allier à Sonic. Quoi ? Mais ensemble, vous avez arrêté l'arc. Vaincu Néo Métal, vous... Je ne veux rien savoir. C'était une solution de dernier recours en situation désespérée. Mais le temps presse. Je ne veux rien savoir. Trouve une autre option. Ton entêtement est légendaire. Mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Sont stylées ces scènes là. Je ne compte plus le nombre de fois où tu m'as sauvé du danger ici. Telle est ma fonction. Je vis pour servir. Tu as surpassé ta fonction. Je suis très impressionné, Sage. Non! Je suis même fier. Ouais. Hop là. J'ai tellement même plus besoin de points d'XP, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est à 170, c'est ça. Attends, il va y en avoir un là, à mon avis. C'est scandaleux. Merde, je l'ai raté le dernier. Merde, bon, tant pis. Ok, super, merci. Ah, tiens. Allez hop, vas-y. Merde. Oh, ça passait. Abuse pas, ça passe. Abusé. Mais n'importe quoi. Ah, quand même. Ça sera pas gentil, attends. Et si je fais une tête? Abusé. Ok. Allez, vas-y, le dernier moment. Non! Non! Allez, vas-y, 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 vas-y. Donne tout! Putain, ça passera pas. Ah, oh, laisse tomber, putain. Ah! Comment je sais pour hein. Ah ok, faut juste que je me mette sur le sol en fait. Et que je le tape comme ça peut-être. Attends. Peut-être pas. Si. Non.
vache. Mais c'est un délire. Mais c'est un délire. Mais merde! Pourquoi il passe pas celui à droite? Pourquoi celui à droite ne passe pas? Il nous emmerde! Et là il passe! Mais va te faire foutre! Mais va te faire foutre en fait! Genre. Va te faire foutre! Genre vraiment! Je ne sais pas! Personne ne sait. Ah ouais, ça vient du cœur, hein, totalement. Ah oui, ça venait du cœur, hein, y a pas de problème. Ah, c'est de la glace, ça, ça passera pas. Ah, cool! J'en ai suffisamment pour une autre. Cool. Et ça va être la cinquième. Donc finalement, il ne restera plus qu'une après. On avance bien. Sonic, tu trouves que je suis un fardeau? Et comment exactement en es-tu venu à cette conclusion élaborée? Dès qu'il y a une crise, soit je m'enfuis, soit j'observe sans rien faire. Tu viens toujours à mon secours alors que je me contente de te suivre. Hé, qui a empêché Eggman de faire exploser Station Square, hein? Qui m'a fait sortir de prison et qui m'a sauvé du piège tendu par les effroyables 6? Moi? Mais alors, je manque de constance. Relax, mon pote. T'es futé comme Eggman, rapide comme moi, et tu peux voler par le derrière. C'est pas grave d'avoir besoin d'aide de temps en temps. C'est comme ça qu'on grandit. Depuis quand la sagesse est une de tes qualités? Ça m'arrive. Apparemment, le pont est HS. Je suis sûr qu'on peut le réparer. Je vais jeter un coup d'œil. C'est stylé ça. Mais très bien. Merci pour cette petite séquence extrêmement courte. Merci. Je vais le faire. Wow. C'est stylé ça. Ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Thank you.
Wouh! Non, j'y étais! Oh, putain. Merci Noya, merci. Merci pour d'avoir offert un sub à Mikage, merci beaucoup. On y était. Abusé. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des trucs qui me font remonter, voilà. Ça fait remonter en fait, c'est ça le truc. C'est que je perds du temps. Putain. Vas-y, piquez. Le piquer du bâton. C'est ça qu'on veut, voilà. Il s'est fait découper comme un saucisson. Oh la vache. Je sais même pas pourquoi il est pas passé. Je n'en ai aucune idée. Un petit saucisson. Je le sens bien celui-là. Ah non, punaise! Vas-y, je le sens bien. Ou pas. Merde. Ah, jamais de la vie, 27 secondes, jamais de la vie, ça passe. C'est passé. En plus il se pose en mode Iron Man. Bien sûr que c'est passé. Ça c'est du pong. Du pong et du pong. Et ben voilà, on a une de plus, cool. Bon bah finalement on les a tous. Petite torse de la victoire. Boum. Super la capture d'écran. Bon bah il nous en reste plus qu'un à aller chercher, on est bon. Il dit que c'était la dernière barrière défensive. Bravo, ton héros sera impressionné par ton travail acharné. Je suis fier de toi. Ne l'oublie jamais. Bien sûr que non. Bon. Eh ben écoutez. Une émeraude à récupérer, c'est-à-dire celle qui est en blanc là-bas, qu'on a déjà. Et ensuite, eh ben, ça va être le boss, normalement. Normalement, c'est le boss, après.
Donc il est fort probable que nous tapions le boss dans cet épisode. J'ai l'impression que c'est un peu 3 épisodes par monde, à peu près, qu'on fait. À peu près 3 heures par monde. À peu près. Ça dépend. Ça dépend en vrai. Allez, c'est bon. Ah, c'est tout là-haut. Bon, comment je vais grimper? Ça, c'est la grosse question. Comment je récupère le sommet de cette montagne? Ils descendent de la montagne à cheval. Ils descendent de la montagne à cheval. Est-ce que c'est par là ou pas? Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'on a trouvé la solution. Ouais, c'est possible. Oula. Oula, c'est quoi ce truc-là? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu, ça. Pas du tout. Je ne sais pas. Tu m'emmerdes. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Salut. Eh bien. Non ! Non, il y a le spider en bas. Attends. Là, ça passe. Est-ce que ça passe si je fais ça ? Eh, hey, la méthode Skyrim. Non. Ça ne passe pas. Bon, j'aurais tenté. Quoique, à force, peut-être que ça pourrait passer. Hein. À force, ça peut passer. Hein. Qui ne tente rien, n'a rien. J'ai envie de dire... Ça doit être par là pour aller au sommet de la montagne, en vrai, parce que je vois pas d'autres accès. Ah, scheisse! Ouais. Unleashed était très sympa. C'était très sympa, ouais. Bon. Bon, c'est juste là. Je veux juste aller à droite, moi. C'est la dernière émeraude à récupérer avant le boss. Ce petit bruit. C'est par là, non? Ah, c'est tout là-bas. Comment je fais pour monter? Ah merde, je pensais que c'était au sommet de la montagne, moi. Ah mais merde. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore?
Comment je fais pour y grimper? Ah là, par là. Ça doit être ça. Ça doit être ici. C'est ici que tout s'achève. Ça doit être ça, ça doit être ça, hein, en vrai. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Non. Attends, attends. Voilà. Voilà. Merci. Ah, c'est fourbe, hein. Putain, ça va passer, hein. Merci. Jamais abandonner. Jamais abandonner. Par contre, pour grimper sur la dernière émeraude, faut y aller, hein. La vache. C'est le parcours du combattant, hein. Impressionnant. Non. Attends. Oh les bâtards. Non. Oh les bâtards. Oh les tarbats. Là, je sais plus par où j'étais monté. Oh les bâtards! J'étais passé par où en plus? Oh merde! Oh c'est abusé! C'était là-bas en plus, c'était le truc tout là-bas. Quelle bande de connards! Ah putain, faut tout refaire. Ah c'est pas bien, c'est pas bien ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est mal. C'est mal. Ça c'est encore un coup de Michel, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est le même. C'est le même mec, c'est le même, c'est sûr. Ah putain, c'était déjà un calvaire pour... Attends. C'était un calvaire pour comprendre comment fonctionnait leur truc là. Oh putain, bah, forcément. Oh putain. Merci. Non. Tu vas voir qu'il va me faire le même coup. Je pense qu'en fait il y a eu un bug. Je pense qu'il y a eu un bug et qu'en fait il m'a jarté du truc alors qu'en fait je devais passer, c'est sûr. C'est sûr. Parce que tout à l'heure j'étais là et il y a pas de raison en fait qu'il m'ait jarté du truc. Il y a pas de raison.
Ah, il me remet la cool. Ah putain, il y avait un mur en face. Non. Comment tu veux que je sache qu'il y a un mur en face? C'est infernal. Je suis censé le savoir. Là c'est pareil, je suppose qu'il y a un mur en face. Oh putain, c'est même pire. C'est même pire que ça. Non mais attends, mais... C'est un enfer. C'est un enfer pour comprendre ce qu'il y a. Oh putain, je suis arrivé. Oh. Attends, je récupère l'émeraude tout de suite. Oh la vache. Non mais c'est ouf. Attends, je vais faire ça déjà. J'ai genre à faire ça. Oh la vache, c'est incroyable. On est venu là parce qu'on a détecté que les Chaos Emeralds étaient attirés ici. T'as compris quelque chose? J'essaie de résoudre le puzzle. Les appareils des ancêtres ont été construits spécifiquement pour exploiter l'énergie des Chaos Emeralds. Tous les systèmes de Starfall Island, cyberespace inclus, étaient en veille sans les Emeralds pour les alimenter. Cela dit, une fois la source d'énergie revenue, quelqu'un a quand même dû lancer et initialiser le système. Je pense savoir qui. Je pense savoir qui. Bah déjà, tu vas récupérer l'émeraude. Hein. Allez, vas-y. Bon, bah écoutez. C'était notre dernière avant, avant le Big Boss, normalement. Là, il suffit d'aller voir Tails. Qui doit être... quelque part. Allez, vas-y. Regarde ça. Wouhou ! Alléluia ! Hop là ! Bon, ça, c'est un kiff, quand même. Allez, vas-y, viens. Hey, frérot, tu te sens mieux? Oui. Ces événements m'ont un peu ouvert les yeux. Quand tout sera fini, je crois que j'irai de mon côté quelque temps. J'atteindrai jamais mon potentiel si je me repose toujours sur toi. Enfin, si t'es d'accord. Tu es libre d'aller où tu veux. J'imagine que tu as juste grandi plus vite que je pensais. Tu veux dire que j'ai été plus rapide que toi? N'exagère pas. Va falloir que je m'y habitue, mais... Bravo pour avoir atteint un nouveau cap, partenaire. Quelle belle amitié. Une famille unie par les sentiments et non la génétique. C'est mon vœu le plus cher. J'aurais voulu ne rien voir. Le futur était plus facile à accepter quand on était juste ennemis. Sympa la petite musique.
Elle chante faux en plus. Quel enfer. Putain, elle chante faux en plus. Je te jure. Bon. Donc ça c'est fait, ça sent le boss. On a bien géré ce monde, moi je trouve. Tu explorais l'île. On dirait qu'elle se déverrouille de l'intérieur. Super. Et comment on l'ouvre? Tu vois cet interrupteur près de la porte? Il peut sûrement réagir à la cyberénergie de ton corps. Aucune idée de ce qui se cache derrière. Mais ça doit être important. Vas-y uniquement si tu te sens prêt. Je me sens prêt. Je suis toujours prêt. Je me sens prêt. On a récupéré toutes les émeraudes. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Ouais, ouais, en VF, elles sont horribles. Les voix, ouais. Trop bien! J'adore les mini-jeux de ce jeu. J'adore les mini-jeux de ce jeu. Je te le dis. J'adore. Ah, mais il y a la pièce rouge. Attends. Attends. Non, mais... Oui, 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 voilà, c'est ça qu'on veut. Sonic Pinball. Merde. Bon, j'ai encore ce qu'il faut. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pop, 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 pop. Ah, presque. Voilà. Continue, moi ça me va. Hein. Si vous valider l'autre, ça serait bien. Non, non, non. Ah, non.
Oui. Ah, très bien. Putain, j'arrive pas à le toucher, le rouge. Voilà, merci. On en fois 32 multiplicateurs, on va aller vite après. Merde. Ah merde, on est redescendu en multiplicateur x1, la x2. Merde. Ah, c'est mauvais. Mauvais signe. Comment je récupère plus de pièces pour monter le multiplicateur hein. Voilà. Et il faut un score de ouf, hein. Ok, on en fois 32. Oh, c'est une blague. Oh, c'est une blague. Oh, la vache. C'est chaud quand même le score qu'il demande. À la choper. Voilà, merci. Oh, punaise. Abusé. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et le score demandé, il est abusé. Hein. Faut que je mette en fois 32 et que je reste dessus surtout. Non! Ah ouais, non, mais là je joue comme une bouse. Joli.
fait, il faut vraiment que je me mette en x32. Les pièces rouges, c'est vraiment pour faire grimper le multiplicateur. Plus vite d'ailleurs. Il faudrait une autre rouge pour qu'on passe en x32 normalement. Si on fait très attention, ça peut le faire. Là. Ah! Non! Quoi? Mais elle est passée à travers! Tu fous de ma gueule ou quoi? Elle est passée à travers. Non mais moi je veux bien, mais pas si le jeu me respecte pas. Il y a un moment. Stop. Foutez pas de ma gueule non plus. Oh putain, mais j'ai vraiment pas de bol là, c'est incroyable. Il se passe quoi? Ok, super. On est remonté en x4. Ah, tu vois, là, par contre, les rouges, on les enchaîne. Hein. Enfin, c'est ma dernière bille. Hein. Ça, c'est vraiment la dernière. Allez, le x32, on y croit. Allez, on veut le x32, nous. Ok, c'est bon, on en x32. Ok, 64. Là, ça va monter vite, normalement. x128. Allez, ça va monter très très vite. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, la petite rouge encore, ça serait incroyable. Allez hop, x256. Allez, on y croit. Ok, on est en fois, on est au max là. Allez, il reste quasiment rien là, à voir. Me fais pas de faux bons. C'est peu de le dire. Non. Je suis en stress. C'est bon, le score est atteint. Ok, j'ai juste à la mettre là-haut, je crois. J'ai juste à la mettre là-haut et on est bon. C'est ça? On est bon, là. Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que ça passerait jamais. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as déclenché une éruption. La lave a brûlé les nuages et révélé... quelque chose. Oui. C'est un Pokémon légendaire. J'ai fait un paquet de flippers depuis le temps. Je sais les reconnaître. Ça faisait vraiment partie des ruines d'origine. La technologie ici dépasse Eggman et date d'une éternité.
On dirait que l'amour des flippers précède même la civilisation. Sonic, ce titan là-bas, tu comptes vraiment l'affronter? Même en Super Sonic, cette chose est... Ce qui vous garde, toi, Amy et Knuckles emprisonnés, donc oui, je vais l'éliminer. Tiens bon, mon pote. J'élimine ce dernier titan et tout le monde retourne à la normale. Attends, c'est la fin du jeu, là? Non, je pense pas. Mais non, on a vu qu'il y avait plus de monde que ça. Ça peut pas être la fin du jeu, on a vu qu'il y avait autre chose derrière. On l'a vu. Va au cratère, vas-y. Bah, on le sait que c'est pas la fin. Et voilà, Sonic est mort, fin du jeu, adieu. Voilà, c'est bon, c'est fini. This is the end. C'est la fin d'Erico. Oula. Genre je saute là? Ah oui. Incroyable. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, ça sent là, ça sent la bonne grosse musique encore. Ok. Saute par-dessus ou par les pics des pierres pour atteindre la tête et prendre l'avantage. Ouais, c'est comme d'habitude. Comment tu veux que je saute par-dessus? Comment tu veux que je saute par-dessus? Ah, ok, là. Ce truc. Là. Là, vas-y, grimpe. Non, non, vache. Attends, vas-y, grimpe. Allez, on y va. Wouh. Allez, on est bon. Allez. C'est parti, Super Sonic. Vegeta, donne-moi ta force. Pardon, excuse-moi. Allez, la musique. Je vous monte un peu le son comme d'habitude sur ce genre de séquence. Let's go. Thank you.
de délire, les boss. C'est un putain de délire. Mais ce délire! Ce jeu est incroyable. Strike Rain Trench, Marshall Lane, Driver Mule. Ce jeu est fou. Ce jeu est dingue. Ce jeu est dingue. Oh, tu vois, il reste deux mondes encore. Incroyable. Incroyable. Je fais que 48%. J'ai eu l'impression qu'on avait fait un peu plus. Hein. Ah, nouveau monde avec des forêts. Le dernier sceau a été révélé. Détruis les six tours. Déchire le tissu qui sépare les dimensions. Ah, ouf! J'ai cru que t'allais m'annoncer un titan surprise. Sonic? Accroche-toi, partenaire. On y est presque. Fais attention. Attention? C'est pas très drôle. Bon, et bah écoutez, ça va être la fin de notre épisode. Là, on va arriver dans des forêts un peu là. Ça va être la fin de notre épisode. Et on reprendra ici précisément au prochain. Oh là, c'est horrible, les textures sont vraiment dégueulasses. C'est dommage parce que tu vois, regarde. Putain, je suis sûr que ça serait très joli en plus là. Ça serait joli avec tes textures. Et c'est relou, putain. C'est relou d'avoir un jeu qui pourrait être beau et qui ne l'est pas. Alors le gameplay est très sympa, mais là, c'est dommage. Allez, c'est la fin de notre épisode. On en est à 11h18 de jeu.